Allez, on y est. Salut tout le monde, c'est Ato. Bienvenue dans cette nouvelle session Yakuza. Bon, j'imagine, je me projette, d'accord? Parce que là, pour nous, c'est tout d'affilée. Mais j'imagine que là, vous n'avez pas eu d'épisode pendant deux jours et vous vous dites, bon, si celui-là, c'est de la merde, c'est pas possible, moi, ce mec-là, mais genre, il se fout de ma gueule, en fait. Parce que là, ça fait deux jours qu'on a rien et là, faut que ce soit bien. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chasse au collectable dans cette session-là. L'idée, éventuellement, voilà, c'est de récupérer donc toutes les quêtes un petit peu FedEx et puis sinon de faire la collection des Sujimon, bien sûr. Non, je plaisante. Gros moment scénario à venir. Là, de ce que disent les gens sur le live, c'est les énormes cinématiques importantes qu'il puisait. Peut-être aussi du combat de boss et ce genre de choses-là. Bref, on va tester tout ça si, bien sûr, tout se lance. Ça n'a pas l'air d'être gagné. Ah, si, voilà. C'est parti. Merci Xap, merci beaucoup. Merci beaucoup aux personnes qui pensent au Prime et tout ça, c'est très très chouette. J'ai tellement envie d'aller au Japon, c'est horrible. Quand je vois ça, j'ai juste envie de m'installer, de manger, de commander mes ramen là. Oh non, mais en plus, non, c'est pire que ça, c'est du barbecue coréen ça. Oh là 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 là. Au secours. Par ici, s'il vous plaît. Hein? Qu'est-ce que... Je compte sur vous pour ne rien révéler à qui que ce soit, c'est compris? Hein? D'accord. Si vous empruntez ce passage, vous tomberez sur le quartier souterrain de Géomijul. Sérieux? Hein? Qui est-il? Et pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il nous a parlé? Mais il aurait dû nous indiquer ça plus tôt. Il n'aurait pas pu nous le dire avant. Ah, c'est clair. C'est un secret que l'on doit préserver à tout prix. Je comprends bien, mais quand même. Si quelqu'un venait à trouver cet accès, les conséquences seraient catastrophiques pour les Géomijul. J'espère que vous prenez bien toute la mesure de votre geste. Je comprends bien pourquoi Jugi Han nous a parlé d'un cadeau. Vous en saisissez la valeur à présent. Ouais. Vous pouvez compter sur nous pour garder le secret. Quand il m'a appelé, j'ai d'abord cru à une mauvaise plaisanterie. J'étais loin de penser que l'on dévoilerait un jour notre secret à des étrangers. Si Jung Han vous fait cet honneur, c'est qu'il doit avoir pleinement confiance en vous. Confiance en nous? J'ai plutôt l'impression qu'on jette droit dans la gueule du loup, non? Et moi, je trouve que c'est plutôt cool de leur part. Ok, donc il suffit qu'on emprunte ce passage et qu'on sauve les Géomijul. Ensuite, Zao pourra débarquer et sauver Namba. Go! Tu t'en es bien sorti, Kazuga. Mais le temps joue contre nous. C'est si grave que ça? L'Alliance Omi a réussi à rentrer. L'invasion a commencé. Oh! Hey, Sanghui. Oui? T'as perdu ton doublage? Ta gueule. Elle essaie de joindre Yukata Ogikubo. Et ça avancera à quoi? J'en sais rien. Ça va dépendre de lui. Waouh. Je t'ai jamais vu aussi tendu. Il faut dire que c'est du sérieux. Il est encore plus mignon quand il est comme ça. Laisse-le respirer. Il nous a déjà montré son super passage secret. Ça nous a bien aidé d'ailleurs. Merci. Ah oui? J'ai bien pris le temps de réfléchir à toutes les éventualités avant de vous en parler, bien sûr. Hein? Si jamais vous cherchez à nous trahir, je m'occuperai de vous moi-même. Je retire ce que j'ai dit. Il n'est pas mignon du tout. Et en plus, c'est un plagiat de Nomura. Wakatta. Anta ga sou shiro to iu no nara, warewara wa shitagau. Ah. Kono jōkyō de nokosareta sentakushi wa mou ooku wa nai daro. Sonhi. 荻窪豊は何と?
手を貸してもらえるか、カスガ。オウミ連合の兵隊がここへ来るまで約2分。だが、偽札作りの痕跡を燃やすのにはもう少し時間がかかる。偽札作りの痕跡を燃やす？偉人町の偽札事業はもはやこれまで。荻窪がそう即断したよ。オウミ連合が随分な手間と時間をかけて肉の壁へ照準を合わせていたのに気づけなかったのが原因だ。全ては我々の手落ちと言わざるを得ん。ただし、偽札事業をやめるにせよ、偽札と荻窪豊とのつながりだけは全て闇に葬らねばならない。そのために全てを燃やす。これは私の判断だ。半純義、お前が火付けの指揮を取る。孫妃、火を使えば監視システムも機能しなくなります。我々の住処もなくなる。唯一の居場所をなくすことになります。ここにいる者たち全員が。ああ、全て承知の上だよ。出過ぎた口を聞きました。お許しを。いや、휘발유모조리타카조와시간없다서둘러오기쿠보를구하기위해전부하인시마노가자신들을쓰레고마니시테快適とまではいかないが、오기쿠보だけが我々の居場所を真剣に暗示、そして実際にそれを作ってくれた。だから오기쿠보には感謝の念しかない。我々は彼の捨て駒になるためではなく、彼への長年の恩義を返すためにすべきことをするだけだ。それって平たく言いや放火だぞ。俺たちにもそれを手伝いって？いや、お前たちにはオウミの兵隊をここで食い止めてほしい。追い返せとまでは言わん。ただここを焼き払うだけの時間を稼いでほしいんだ。でもよ。頼む、力を貸してくれ。孫妃、頭をお上げください。しょうがないわね、頭上げてよ。私、正直言うと前からあなたがいけすかなかったし、荻窪を助ける義理もない。でもプライド高いいい女が頭下げるなんてよっぽどのことよ。この人が言ってる恩義を返すって気持ちは口だけじゃない、本物だよ。わかるでしょ？そうだよな。すまねえ、男は女の気持ちってのに鈍くってよ。いや、俺は最初から伝わってたけどな。かたじけない、礼を言う。じゃあやるよ。サエコさん、うん、ありがとう。おら、pourquoi est-ce que je sens que ça va être sérieux? Ouais.Les hommes de main de Omi vont pas tarder à répliquer. Namba leur a donné l'info. S'il a parlé, c'est uniquement pour sauver son frère. Et il a fait ce qu'il a pu. Et il n'a pas vraiment eu le choix. Je sais bien. Bon, ils seront là d'une minute à l'autre. Tu es prêt? Bien sûr. Et comment? Merci Charles, merci Danilou, merci beaucoup à vous. Oui, ça va très bien, et vous? Ni oboe no aru tsura ga ooi na.どれだ、鉄球の下敷きになったんやないんか。残念だったな。またいつでも相手になってやるよ。せやけど、考えたら妙な話やな。あ？そもそも踊れはなんで生きとるんや。荒川の代行に撃たれたやろが。お前に話す必要はねえ。
代行が踊れを売った後、そこで一度間違いなく死んどったはずやろ。間違いなく言い切れんのか。おう、死体は組の門に始末させたと聞いとったからの。まあ、なんで我が言っとるんか。あの人に今度よう聞かんとあかんな。小笠原さん、印刷機はあの奥です。こいつら証拠を燃やす気だ。石岡さん、ちっ、どうりでクワミジュルの門があんまおらんかったわけや。総出で火つけとったんかい。そこどけ一番。お前何やってんだ。偽札の証拠が消えちまう。俺らはここをどかねえよ、ナンバー。悪いが孫飛と戦略しちまったんだ。なんだと。ここを燃やすまでの時間を稼ぐって約束しちまった。でもな、おめえのためでもあるんだ。てめえ一番早く止めさせろ。この死に損ないがぶっ殺したら。邪魔するんじゃない。Genre le combat contre Namba. Bon, c'était sûr que ça allait arriver, mais quand même. Tellement cool. Voilà. Bon, bah, désolé, Namba. Ça va se régler de manière assez brutale. J'espère que t'as rien contre les fléchettes, par exemple. Boum. Et puis, j'espère que tu n'as rien non plus contre. Ouais, je sais pas lequel. Lequel je sèche. Bon, on va tuer celui-là. Il a level 100 moi. Ouais, il y a des chances, ça. Ah, nice. Ok, alors ce qu'on va faire. Namba, prends mon opulence. Boum, boum. Voilà. Cette provoque est absolument dégueulasse. Alors, charge téméraire, oui, mais. Ah. Lancer explosif peut-être. On va le faire là-dessus. Tiens. Voilà, très bien. Ah, comment ça? Ah merde, il a pas le renfort. Oh, genre il met les coups de canne comme ça, quoi. Bon, on va vraiment régler son problème parce que là ça va commencer à m'agacer. Allez, tiens déjà. Moi, Sakura, chasseuse de cartes, je te l'ordonne. Nickel. Bon. Je vais réduire les... Ah mais non, mais c'est parfait ça. En plus c'est vrai que c'était AOE, donc nickel. Voilà. Pourquoi il a fait un bruit de... Le pistolet à bouchon, son truc. Allez, salut Namba. Ok. Et là, je tire. Ha! Le 10! Ah. Ten of Spades. C'est ça un Spade, c'est carreau? J'ai un doute. Ah merde, elle prend peur. Ah, coup de talon, attends, ça a l'air intéressant ça. Un petit coup bien placé, je sens. Ah non, c'est le kick de la main. Elles sont super cool, les compétences de... Comment dire? C'est pas une dominatrice? De reine de la nuit. Depuis le début, là, franchement, on en avait très cool. Hein. Ah, sa faiblesse. Bon, bah allez, vas-y, c'est cadeau. On va espérer gagner des points de compétences pour regagner les MP. Ouf, il a pris tellement cher. Allez, tu restes au sol. Il a tellement... Tellement de vie. Heureusement qu'il bigle. Hein. Allez, petite gifle du fortuné, évidemment. Voilà, pour les dégâts. Ça marche toujours si bien. Aïe, ouf, il m'a fait tellement mal. Lancer explosif, vas-y, c'est ta faiblesse. Ah non, c'est Spade, c'est pique, vous avez raison. Et Diamond, c'est carreau. Mais oui, bien sûr, je suis con. Excusez-moi. Oh, ça arrive à tout le monde, hein, je suis trompé.
Il a tellement de défense ce boss. C'était là le fameux pic de difficulté du jeu ou pas? Parce qu'on m'avait dit à un moment, tu verras, le jeu va devenir vachement plus dur et tout ça, et je me demandais justement si c'était le segment qu'on est en train de vivre. Ah merde, j'avais laissé l'effet sur la voix, désolé. Ah non, c'est pas encore, d'accord. Désolé, méga fail de ma part, j'avais laissé l'effet pour les voix à la con. Bah au moins, vous voyez qu'il y a une petite différence quand j'active. Merci, Moonite. Pour les gens qui se posent la question, en fait, ça me permet d'avoir plus d'ampleur sur la voix et donc d'occuper plus l'espace. Donc pour un doublage de jeu, c'est parfait. Pour un live, c'est nul à chier, mais... là, par contre, je prends méga cher. Hein. J'ai pas de soins, donc... Je la passe. Merde. Et bah heureusement que j'ai fait la parade. Par contre, faut absolument que je me soigne. On va lui claquer un bento de luxe. Tiens, c'est cadeau. Alors on va lui faire ça. En espérant que ça marche bien. Ah oui non, ça charge juste ça. Faut attendre deux coups. Là il manque des PM hein, clairement c'est le problème. Je fais tellement pas de dégâts, c'est horrible. Insupportable. J'aurais dû faire les boosts de stats et le poison comme avant. Maintenant les boss à chaque fois je vais démarrer par compétence de poison, comme ça ce sera fait et on en parlera plus quoi. Bon, là au moins ça a piqué un peu. Que là après je peux... Ouais je peux claquer éventuellement... Allez on va claquer les pinces. En plus c'est 1000 donc c'est pas très cher. Au moins il prend... Ah il prend pas le poison. Ah saloperie. Et ça va être super chaud en fait. Attends c'est qui le suivant. En espérant que cette fois-ci elle puisse se battre. Ouais c'est bon, elle a surmonté la peur. Alors ce qu'on va faire c'est que toi tu vas nous soigner encore une fois. Tu vas soigner Ichiban. Voilà. Si si j'ai les objets pour les PM, mais c'est que ça fait claquer un tour quoi. Et puis je sais pas quel personnage pourrait vraiment claquer un gros coup de PM. À part Ichiban peut-être, allez on peut essayer. Attendez, on va essayer bouteille de saké pour Ichiban, vas-y. Faut pas... Ah oui mais alors attends, parce qu'il faut pas qu'il soit bourré derrière. Hein. Parce que si jamais ça le rend ivre, laisse tomber quoi. Ah merde, voilà, il a consommé trop d'alcool. Bon, on va voir. J'espère que ça ira. Non, c'est bon. Allez, 472, on en parle plus. Petit coup critique qui va bien. Bon, je pense que ça va, ça ira. Je dois pouvoir le tanker. Oh là, heureusement il a raté. Et ouais, on récupère pas de PM en attaquant. Heureusement qu'il rate pas mal de ses coups. Hein. Voilà, c'est bon. Ouf. この。クソ。クソ。やめぞ。逃げるで。おい、待て、お前ら。ボケが。まだ終わっとらんやろが。 石岡さん。くっそ。せっかくここまでいらしたんだ。もう少しおもてなしをさせてください。小笠原さん。<笑>
ナンバー。これで全部闇に葬られたわけだ。偉人帳の偽札も俺の弟のことも、うん、最後の最後でお前らに裏切られた。弟さんを追うための情報が消えちまったことは申し訳ないと思ってる。でも俺らお前を救いたくて。うるせえ。ナンバ、いい仲間を持ってるな。仲間なんかじゃねえ。どうやらお前は誤解をしている。お前は弟の消息が知りたいんだな。え？あいつはたった一人で偉人帳の偽札の核心にまで迫ってきた。だがその情報を手に入れることは万死に値する。しかし私は彼の高い調査能力は無駄にするのは惜しいと考えた。なんとか仲間にしたいとさえ。じゃあ今は我々の地下の居住区にいる。もちろん軟禁状態ではあるが。そうだ。はい、元気にしておられます。本当か？マジか。なんで教えてくれなかったんだ。そりゃ無理か。当初から南波さんは我々の監視対象者であり、偽札の事実を知って失踪して以来、偉人さんからは追われる身。お教えするわけには参りませんでした。まあそうだよね。この事実が手に入れられたのは我々に手を貸し、何より南波、お前のために命を懸けてくれた仲間のおかげだということを忘れるな。おい、ナンバー。でもこの目で見るまでは信じられねえ。じゃあなおさら早くここを出ようぜ。死んじまったらそれこそ水の泡だ。早く早く。Ah, le Japon, c'est tellement beau. En vrai, j'adore ce genre de feeling parce que c'est vraiment, mais typiquement esprit japonais, c'est trop drôle. この場所を何だと思ってるんだ。あまり長居するつもりはありません。ただ人をさらってきて置いとける場所が他に思いつかなかったんで。だからってここを選ぶこともないだろうに。すんません。まさかこいつをここで拷問する気なのか。そんなことは許さんぞ。でもこいつはブリーチジャパンの代表で偉人帳に近江連合を引き込んできたんです。こいつのおかげで肉の壁はもう崩壊寸前なんすよ。そうなのか。だとしたらこのままおとなしく解放してやろうって気も失せるでしょう。確かにそうだな。ただし今夜だけだ。ええ、ありがとうございます。Juste micro-pause, merci beaucoup à Morrigan qui a fait un raid du coup, et bienvenue à personne qui vient de chez toi. On est sur Yakuza Like a Dragon et donc là, gros moment cinématique, d'où le fait que je sois en mode immersion, je me tais, je vous laisse profiter de la suite. J'espère que tu vas bien.
あんたにはいろいろと聞きたいことがあんだ、小笠原さんよ。朝まで時間はたっぷりある。Ah, fin de chapitre déjà ? Waouh ! Ah ouais ! Genre chapitre 10 là ? Mais non ! Ah oui, ça allait vite ! Il y en a 15 hein, je crois. Hein. Oh là là ! C'est pourquoi on va si vite d'un coup là ? Yo, Sat-chan. Namba, comment est-ce que tu as fait ? Je suis allé voir ton frère. Je suis 本当に無事か確認したいって。そりゃそうだろうな。でもマジでよかったよ。正直俺はもうダメかもって思ってたよ。まあたまにはいいニュースもあるもんだね。えでもなんちゃんとここでお別れかな。あいつはもともと弟を探してこの町に来てたんだ。だからもう俺らとつるむ理由がねえ。そっか、だよね。とりあえず今はあいつを吐かせることだ。そんじゃ始めるとするか。ほどいてやってくれ。大声を上げんなよ。変な真似したら容赦なくぶん殴る。逃げようとしてもぶん殴る。聞かれたことに答えなかった時もぶん殴る。小笠原、あんたは近江連合とどうつながってんだ。どうして近江の連中を自在に操ることができるんだ。答えねえとどうなるか。さっき言ったよな。殴るなんてそんなことなさらずに。は？な、生ぬるいこと言ってたろこいつは。今頃近江連合はあなたのことを探しているかもしれませんね。ですがそれにはまだ時間がかかるでしょう。あなたの爪を全部剥がすくらいの時間はあるはずですよね。C'est ouf, il a la petite marque du pansement qu'il avait sur la bouche. Le détail qui tue, quoi. お前らのおかげで我が家は焼け落ちた。爪をすべて剥がされても、それで終わると思うなよ。分かったか。じゃあ近江連合との関係話してもらおうか。なんでお前が近江の手綱を握ってるのか、それからだ。近江の手綱を握っているのは私じゃない。でしょうね。じゃあやっぱり都知事が。ああ、青木亮。そうだ、知ってるだろう。都知事は青木亮って名前を使うようになる前、もう一つ別の名前を持ってなかったか。隠すなよ、全部お見通しだ。いや、え？荒川正人。なんでその名前を。俺は昔あの人を若と呼んでた。そして若に俺は一と呼ばれてた。まだ登場会だった頃の荒川組でな。やっぱり青木亮は荒川正人だったんだな。
私があの人に会ったのはもう20年近く前、留学先のアメリカだった。政治と経済を専攻していて、頭の切れる学生って印象だった。名前はその時から青木龍。ああ、もう一つの名はもっと後で知った。車椅子は使ってなかった。ただ前はそうだったと聞いてた。昔はそんなに体の具合が悪かったのか。ああ、なら多分渡米した後治療を受けたんだろう。アメリカでなら未認可の手術だろうが、金さえあれば何だってできるからな。なんでそう思う？アメリカで何不自由なく豪勢な生活をしてたからさ。金持ちってのは一目で分かった。まあそれを見て俺も付き合って損はない相手と思ってたよ。そして卒業して日本に戻った時、俺は改めて知った。あの人が金持ちだと思ってはいたが、そのレベルは想像以上だったということ。そして金を持ってるだけじゃなく、裏社会とも太いパイプを持ってるってことな。うなるほど金があり、裏の力さえ動かせる。羨ましいほどの環境だ。でもあの人は何一つ満たされちゃいなかった。あの人は全く別のものを求めていた。全く別のもの？表の力だ。表の力？世の中には金にもヤクザにも従わない人間がいる。その相手を屈服させるものは表の力こそその答えだと言っていた。表の力とはつまり人気だ。は？人気？幼稚な発想だと思ったが、何も分かっちゃいないな。じゃあ教えてくれよ。文字通りの意味さ。日本の民主主義で人気者に勝てるのはそれを超える人気のある人間だけ。他の者が文句を言ってもやっかみにしか聞こえない。なるほどね。人気は金や裏の力じゃ手に入らない。だがそれを手に入れない限り、絶対的な権力も手に入らない。そしてあの人はあるポジションに狙いを定めた。それが東京都知事。そうだ、東京都知事こそこの国で最も人気を効率よく権力に変えられる存在だ。あ？なんでだよ。だったら総理大臣とかの方が偉くねえか。総理は民事党の政治家たちが内々で決める役職に過ぎない。今で言えば民事党の連中が慣れ合いで決めてるだけだ。でも都知事は1000万の都民から直接選挙で選ばれて初めてなれる役職だ。つまり得票数がそのまま権力の大きさを表すわけさ。でも金は国家予算とか総理大臣の方が動かす金は。バカめ。都の予算規模は14兆円。アジアやヨーロッパの一国に並ぶんだ。リアルな人気に支持されつつ法外な金が扱える。これ以上の権力がどこにある。だから青木亮は私と出会った当時からすでに都知事の座を見据えてた。そして私はその遠大な計画のパートナーとして選ばれたんだ。ブリーチジャパンの設立もその通過点に過ぎない。パートナーね。しもべの間違いだろ。大変じゃねえか。若は人使いが荒いからな。Je vais commencer par l'interroger. Ah. Yes. Excusez-moi, je me suis un peu perdu en cours de route. Ok, donc là, ça y est, on peut lancer les grandes discussions et avoir toutes ces infos-là. Très bien. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va save déjà pour être sûr du truc. Alors, je sens que là, on va vraiment s'amorcer dans les très grosses discussions, les très gros débats. Et je sens qu'en fait, vont se révéler tout un tas de choses dans le scénario. Mais je sens surtout que moi, côté timing, je vais être trop juste.
Donc ce qu'on va faire, désolé, c'est qu'on va faire la coupure ici pour les gens qui voient ça en VOD. Comme ça, la prochaine, on fera ça sereinement avec toutes les discussions, les machins, tout ce qu'il faut. Et ce sera cool. Faudra qu'on se reprévoie une petite session Katanax aussi, parce que je pense que là, je vais commencer à être un petit peu under level. Déjà là, sur les boss, ça s'est senti, hein, j'ai un peu galéré. Donc à mon avis, peut-être qu'un peu de Katanax ou quoi, ça pourrait ne pas faire de mal. Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que là, bah voilà, je fais la pause là. Pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas, je reviens dans un instant. Et pour les gens qui regardent ça en VOD, bah merci à vous. Et je vous dis donc à demain pour la suite de ce Yakuza qui, je l'espère, vous plaît toujours. Et puis bon, ouais, je ne dirai rien de plus, même si j'ai envie de dire beaucoup de choses. Allez, des bisous tout le monde, à très vite, faut que je me dépêche.